Implant mammaire. Y a-t-il un risque de cancer du sein? Il n'y a aucune preuve tangible scientifique pouvant affirmer une augmentation de cancer du sein chez les femmes porteuses de prothèses. Puisque nous posons des implants dans la zone rétroglandulaire, c'est-à-dire derrière les glandes mammaires et devant le muscle, pas à l'intérieur de la tissu mammaire. Le patient pourrait mener aisément sa vie. Il ne faut pas les changer tous les 10 ans, à moins d'avoir le problème de santé. De plus, la présence d'un implant n'est jamais pas la lecture d'une mammographie.